Depuis la création du Front de libération du Massina, une organisation affiliée au mouvement djihadiste Ansar Dine, le centre du Mali est confronté à une multiplication des attaques terroristes. Accusés à tort ou à raison d'être des complices de la secte, les populations peules sont parfois victimes d'exactions. Pour mieux défendre sa communauté, Mme Aïdara Aminata Diko, vice-présidente de l'association Kissal et présidente du collectif des ressortissants de la jeunesse peule et sympathisants à Bamako, milite pour le respect des droits de ces nomades. La crise qui sévit dans le centre aujourd'hui fait très peur. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où il y a des milices qui se sont formées et ces milices-là tuent des gens. Chaque jour que Dieu fait, ils s'attaquent aux gens, soit disent qu'ils sont des djihadistes, alors que ce n'est pas forcément le cas. Un djihadiste n'est pas forcément un peul n'est pas forcément un djihadiste et nous savons aussi que dans le djihadisme, il y a toutes les ethnies du Mali. Il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu leurs parents, les femmes ont perdu leurs maris, leurs enfants, les enfants ont perdu leur maman. Donc, il y a beaucoup de cas qui m'ont vraiment choquée et qui m'ont poussée surtout à m'engager. Enrôlement dans les groupes djihadistes, pillage des bétails, disparition, affrontements communautaires, la situation des droits humains dans la région de Mopti est assez préoccupante. Le groupe aujourd'hui qui est indexé à tort, c'est les peuls. Les peuls, à chaque fois qu'on les voit dans la brousse, à chaque fois qu'on les retrouve avec leur pâturage, on les indexe de djihadistes. Et cet amalgame-là nous cause beaucoup de problèmes parce qu'ils sont assassinés pour rien. Le bétail est volé. Les animaux, on les laisse mourir dans la nature comme ça. Ils n'arrivent même plus à faire leur transhumance. Il y a eu toujours des affrontements intercommunautaires, hein, parce qu'il y a toujours des problèmes entre les agriculteurs et les éleveurs. Ça a toujours existé, mais avant, les gens arrivaient à trouver des compromis. Il n'y avait pas... Ça ne causait pas aussi tant de problèmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème qui nous inquiète surtout, c'est le phénomène de chasseurs d'onceaux. Parce qu'ils sont armés aujourd'hui. Ils n'ont pas que des fusils de chasse, ils ont des fusils de guerre. Et qui tue les gens. C'est très compliqué le cas des droits humains aujourd'hui dans le centre parce qu'aujourd'hui les gens disparaissent. Hein. On a beaucoup de cas de disparition dans le centre où des chefs de famille viennent à Bamako à chaque fois pour chercher leurs enfants. À Douanza, il y a deux jeunes qui ont disparu il y a plus de 6 mois qu'on cherche aujourd'hui. On ne sait même pas où est-ce qu'ils sont. Et à Sévaré aussi, pareil, dans tout le centre presque. Et dans le cercle de Mondoro, 5 personnes ont été prises dans un village. On les a amenées à la sortie du village, on les a assassinées, dont un enfant de 14 ans. Et on les a enterrées dans une fosse commune. Donc il y a beaucoup de cas de disparition, d'exaction et d'arrestation arbitraire. Les auteurs sont connus, hein, c'est soit des bandits, soit des groupes armés, soit des djihadistes et malheureusement aussi il y a les soldats, il y a les militaires maliens. Afin d'aider ces populations, Mme Aïdara Aminata Diko et ses amis mènent des actions de sensibilisation, de collecte d'informations et de cadres de réflexion. Les actions que nous menons sont nombreuses. On a des actions de sensibilisation, on a des actions de collecte d'informations sur le terrain. Et nous organisons aussi des cadres de concertation avec tous les ressortissants du centre et surtout de la région de deux cercles de la région de Ségou. Et en même temps, nous remettons ces informations là aux autorités, aux ONG, aux organismes internationaux. Et à chaque fois qu'on vient nous dire qu'il y a eu des arrestations ou des exactions, on essaie de parler avec surtout les militaires, on essaie de les demander où est-ce qu'ils ont amené les gens là, si c'est eux qui les ont pris, où est-ce qu'ils les ont amenés et si on peut rentrer en contact avec ces personnes là. Bon, on n'a pas trop de lien avec, on n'arrive pas à communiquer avec les djihadistes parce que c'est très compliqué, ils ne communiquent pas avec les gens. Je suis avec quelques jeunes du collectif qui vont sur le terrain. Ces jeunes-là ils sont très courageux, ils prennent le risque d'aller dans le centre.
sensibiliser les populations, collecter les informations pour les autorités et pour les ONG. On n'a pas montré leur visage parce que ça pourrait les mettre en danger, ça pourrait mettre leur vie en danger. Et ils prennent du courage, beaucoup de courage pour aller sur les terrains et faire leur travail. On est très conscient de la situation sécuritaire, mais bon, c'est un boulot qu'on s'est fixé. On s'est dit qu'il faut qu'on le fasse. Si nous-mêmes on ne le fait pas, personne ne va le faire. Déjà que personne ne le fait. Mais en même temps, on prend en compte les facteurs d'insécurité et on y va. On y va en catimini, comme je l'ai dit, on revient en catimini. Le souhait de Mme Aïdara Aminata Diko est de voir le retour de l'État et des services administratifs dans la région de Mopti afin que le centre renoue avec le développement. Il faut que l'État revienne dans les zones abandonnées. Il faut que l'armée joue son rôle régalien. L'armée n'est pas là pour terroriser les populations. Ils sont là au contraire pour sécuriser les gens. Et sans la présence de soldats, de militaires maliens, on ne peut pas avoir de sécurité. Les gens n'ont plus accès à l'éducation, ils n'ont plus accès à la santé, ils n'ont même plus accès aux projets de développement. Les puits, les forages et les puits ne sont plus creusés maintenant dans le centre. Et ça cause beaucoup de problèmes aujourd'hui. Imaginez, depuis 2012, il n'y a pas d'école dans le centre. Donc les enfants restent à la maison, ils ne foutent rien du tout. Donc 5 ans, c'est beaucoup, hein. Donc on espère que d'ici là, les enseignants vont revenir et qu'ils vont dispenser des cours. Donc pour l'intérêt du Mali, l'intérêt de la nation, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on se parle, qu'on se communique et qu'on se comprenne. Et ensemble qu'on éradique ce fléau-là qui est le djihadisme. En attendant ce retour de l'État, l'association Kissal a investi les réseaux sociaux pour attirer l'attention des internautes sur la situation des communautés d'origine nomade dans l'espace sahélo-saharien.